Claude, j'espère que ça va bien. Non, je suis désolé, mais moi, je me peigne pas avec un peigne, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable de me peigner avec un peigne parce que mes cheveux sont trop gras. Ça colle dedans. Puis, ça a l'air qu'aujourd'hui, tout le monde se peigne avec un peigne et tout le monde a la même coupe de cheveux. Pourquoi? Je comprends pas. Là, mes cheveux, ils viennent tout juste d'être coupés hier, je sors de la douche et en ce moment, j'ai de la mousse dans les cheveux, ok? J'ai de la mousse. Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose de différent que vous autres? Parce que mes cheveux, quand ils frisent, ça fait comme des petites boucles, puis ça fait comme un style années 50 un peu. Mais là, ça a l'air que Sam, on n'est plus les années 50. Puis savez-vous qu'il y a comme 4-5 personnes qui se connaissent pas qui m'ont dit « Oh Sam, du gel dans les cheveux, ça fait trop années 2000. » Ça fait trop années 2000. Elle est bonne celle-là. Premièrement, on est des années 2000. Puis le pire, c'est que j'ai remarqué qu'il y a pas grand monde qui se met du gel dans les cheveux. Tout le monde suit la mode, la coupe de cheveux avec le peigne. C'est pas tout le monde. Moi, je peux pas. Ça marche pas pour mes cheveux. Fait que je me peigne avec du gel, de l'eau, puis mes mains. Puis ça fait pas l'aile. Pourquoi tout le monde se suit dans la vie? Puis j'en vois plein des coupes différentes aussi, là. C'est sûr, il y en a plein. Mais c'est comme s'il y avait une personne qui a dit « Mets-toi plus de gel », puis tout le monde a fait « Ça fait années 2000 ». Ça fait pas années 2000. Ça fait tenir tes cheveux, comme les miens. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et j'espère que ça vous a pris le temps de réfléchir sur ce sujet parce que c'est vraiment bizarre, là, en 2018. Moi, je suis désolé, mais je suis plus seul à la mode, ok? Moi, c'est... Fuck off. Écrivez dans les commentaires si vous êtes hashtag Team Gel ou hashtag Team Peng et je vais regarder ça pour voir s'il y a du monde qui sont comme moi. Sur ce, partagez, likez, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la méthode, les petits potes. Tchou!